Bonjour Frédéric. Salut, salut Oli. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce sommet du leadership singulier cette année qui est dédié au mindset entrepreneurial. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Je sais qu'il y a un planning vraiment chargé, donc c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir échanger avec toi. Je sais que tu as l'habitude d'interviewer des experts, moi je ne suis pas expert. Donc on verra, je vais essayer de répondre à tes questions, je ne sais pas ce que je peux apporter, mais en tout cas je ferai de mon mieux. Oui, avec plaisir. Et puis de toute façon, tu n'es peut-être pas expert, mais en tout cas tu es expert de ta vie et puis aussi tu as entrepris des choses dans ta vie. Donc je pense que tu as vraiment énormément de choses à nous partager et on va plutôt aller vraiment sur les choses que tu as réalisées et puis le chemin que tu as pu créer et puis même les rencontres aussi que tu as pu faire dans ta vie. Donc, je pense que sur la suite, tu as beaucoup, beaucoup de choses à nous apporter. Pour te présenter en quelques mots, donc Frédéric Lopez, donc toi, tu t'es fait connaître du grand public par la création et la présentation d'émissions originales qui étaient souvent programmées et basées sur la rencontre, en fait, la rencontre de mondes différents qui te permettait toi et permettait aux autres de réfléchir sur qui nous sommes et sur qui sont les autres. Donc cette dimension relationnelle, je pense, c'est quelque chose qui est vraiment importante pour toi. Tu as eu un parcours qui a été plein de rebondissements. Il y a eu des traversées du désert et puis il y a eu aussi des succès hors normes. Par exemple, quand tu as été sur le point de quitter le métier après 4 ans de combat et 2 ans de chômage, tu as créé Rendez-vous en Terre Inconnue qui arrivait à l'antenne. Et ce programme a séduit jusqu'à 8 millions de téléspectateurs et a été élu émission préférée des Français. C'est d'ailleurs grâce à cette émission que je t'ai moi aussi découverte. En 2018, pourtant, tu as arrêté la présentation de cette émission qui était pourtant en plein succès parce que tu es fatiguée de dire adieu à tes hôtes, les hôtes que tu allais rencontrer. Tu étais stressée et c'est dans ce contexte-là que tu as découvert la pleine conscience. Et donc ton anxiété s'est apaisée, mais malgré tout, tu restais assez perfectionniste, très exigeant vis-à-vis de toi-même. Et c'est alors que tu t'es intéressée à une discipline qui s'appelle l'autocompassion. Une discipline qui invite les uns et les autres à se traiter comme on traiterait un ami, en fait. Donc, tu vas pouvoir nous en parler. On traite nos amis, oui, exactement. Exactement. Et donc, cette révélation était tellement forte pour toi que tu as décidé de toi-même devenir instructeur de MSC, Mindful Self-Compassion, en parallèle de toutes tes autres activités. Donc voilà, aujourd'hui, tu es revenu à l'antenne aussi grâce à une nouvelle émission que l'on voit sur France 2 tous les dimanches, un dimanche à la campagne, où tu interviews des personnalités qui racontent aussi leurs différentes histoires. Donc, ta vie est quand même parsemée de nombreuses histoires. J'ai l'impression quand même. Du coup, peut-être pour commencer, est-ce que toi, tu as envie de rajouter des choses par rapport à cette présentation? Et aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être présent sur ce sommet? Qu'est-ce qui t'a parlé déjà par rapport à ce sommet? Alors nous, déjà, on s'est rencontrés lors d'un stage d'autocompassion. Donc, tu as fait la démarche parce que 80% des gens sur Terre sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres. On a une petite voix intérieure qui nous maltraite. Mais malheureusement, 80% des gens ne prennent pas ça en main. Et toi, tu fais partie des personnes qui ont compris ça à cœur et qui s'est inscrit dans un stage effectivement, que j'animais avec Agathe Féhou. Et puis, c'est vrai que du coup, moi, j'ai beaucoup de respect, de compassion et de tendresse pour les gens qui font un travail sur eux-mêmes. Moi, je fais beaucoup de travail sur moi. Et donc du coup déjà, il y avait un a priori positif, puis ensuite tu m'as envoyé des liens sur ce que tu as fait l'année dernière et j'écoutais attentivement les interviews. Je trouvais que c'était de très bonne qualité et donc ça m'a fait plaisir de te dire oui. Ah, génial, merci beaucoup, merci en tout cas pour ce cadeau. Et du coup, pour commencer, moi j'ai envie de te poser une question que tu poses actuellement souvent à tes invités dans Un Dimanche à la campagne. Que c'était rigolo de commencer comme ça. C'était justement, si on revient un petit peu à ton enfance ou à ton adolescence, qui était, je crois, une période parfois assez difficile, même sans connaître vraiment les détails, qu'est-ce que tu dirais au Frédéric Lopez qui était plus jeune, si tu avais l'occasion de le rencontrer dans une période qui a été peut-être un peu difficile ou une période charnière? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire là-dessus?
Bon, déjà, je dirais, ok, je comprends, je sais ce que tu ressens. Parfois un sentiment de solitude, de peur, d'anxiété très forte par rapport à l'avenir, et puis peut-être un manque affectif assez fort. Et je lui dirais, ben, sois rassuré, accroche-toi parce que franchement, tu vas, ce qui te manque aujourd'hui, ben, tu vas l'avoir au centuple plus tard. Et donc, observe bien ce qui te manque parce que vraiment, c'est ce que tu vas avoir vraiment, vraiment par milliers. Et j'avais un peu besoin d'amour, on va dire, à ce moment-là. Et j'ai eu beaucoup d'affection dans ma vie, sur le plan personnel et puis sur le plan professionnel, avec des tas de gens que je ne connais pas, qui me donnent beaucoup d'ondes positives. Donc, voilà ce que je veux dire. Ah, génial. Génial. Du coup, quand tu as commencé, tu as été journaliste, il me semble, tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels ont été tes débuts et puis justement, comment tu en es arrivé à Rendez-vous en Terre Inconnue, voilà, ce passage-là, parce que là sur ce sommet, on est vraiment sur la dimension entrepreneuriale et entreprendre sa vie, tu vois, c'est vraiment se prendre en main, c'est comment est-ce que finalement de cette enfance, adolescence un peu difficile, finalement tu en es arrivé à créer une telle émission. Je trouve que ça serait hyper inspirant de savoir ça. Alors c'est un gros morceau, hein, du coup, de mon enfance à Terre Inconnue, ce que je peux dire, puisque je vois ce qui t'intéresse en fait dans cette histoire, et je me dis qu'est-ce qui pourrait inspirer d'autres qui parfois ont envie de se lancer ou n'osent pas. Il s'est passé quelque chose d'assez déterminant pour moi à l'adolescence. En fait, je me suis mis à faire des photos. Il y a un pote à moi qui avait un magazine qui s'appelait le magazine photo. Il était en train de le jeter, donc j'étais en seconde, 15 ans, dans la poubelle, et je lui dis, est-ce que tu peux me le passer? Donc je l'ai eu pendant des années dans mon cartable, je connaissais par cœur, et mon premier job c'était de vendre des beignets sur la plage à 15 ans, et la première chose que je me suis acheté, c'est un appareil photo. Sauf que j'avais plus d'argent, et donc j'allais voir les filles de ma classe, je leur montrais un magazine et je leur disais, si tu veux des photos comme ça, voilà, tu payes les pellicules et moi comme ça je m'entraîne. Bon, évidemment, c'était un peu présomptueux de faire des photos comme ça. D'ailleurs, la première séance, évidemment, j'ai pris la fille en photo. Je copiais exactement ce qu'il y avait sur la couverture de magazine que j'avais sous les yeux. Et puis, en fait, je ne connaissais pas un peu le diaphragme à l'époque, comment faire du flou derrière. Et quand j'ai développé, parce qu'à l'époque, on développait, bah, j'ai vu les poubelles vacances propres qui étaient bien nettes derrière. Donc, ça, c'était la première séance. Mais enfin, petit à petit, on fait des progrès. Comme on dit souvent, il faut faire pour parfaire, en fait. Hein. Souvent, c'est ça qui est plus compliqué. On n'ose pas faire. Et finalement, on est toujours meilleur le deuxième jour que le premier. Donc, petit à petit, je suis devenu pas mauvais. Et puis, d'un coup, je me suis dit, et je voyais tout le temps des. Et toujours dans ces âges, j'ai 18 ans. Et je voyais tout le temps chez les coiffeurs, j'étais à Montpellier à l'époque, des photos assez moches, en fait. Et je me suis dit, mais je peux faire mieux, c'est sûr, je peux faire mieux. Et je vais aller les démarcher. Et je vais un samedi, comme ça, les démarcher, et je me fais jeter de partout. Alors, je n'avais pas réalisé que c'était le samedi, et c'était des jours où ils avaient plus de travail. Mais pour eux, j'étais un VRP, donc c'était vraiment pas cool, des fois, sans regarder, etc. Donc... Et ce que j'aime raconter, c'est qu'à la fin de la journée, j'avais vu les 69, enfin, il y avait 70 coiffeurs, j'en avais vu 69. Ouais. Il en restait un seul, j'étais épuisé. Et je dis à mes potes, mais est-ce que toi, tu aurais été voir l'autre? Il restait 20 minutes, il était à peu près à 20 minutes de marche. Et moi, j'ai ça dans mon cerveau, et je pense que ça m'a aidé beaucoup dans ma vie. J'ai un côté exhaustif. Il y a un côté, et tant que je n'ai pas essayé, je ne peux pas savoir. Et donc, en fait, je suis allé chez ce coiffeur, il était en train de fermer. Là, j'étais désespéré, j'ai collé mon bouc de photos sur la porte de sa vitrine, et j'ai vu son visage s'illuminer. C'est intéressant parce que je n'avais pas le son, et d'un coup, c'était autre chose que ce que j'avais vu toute la journée. Et en fait, il me dit, justement, je cherchais un photographe. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, que j'avais vu d'autres fois dans ma vie et qui a vraiment switché dans mon cerveau. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis dit, mais parfois, j'ai rencontré dans ma vie, beaucoup plus tard, des jeunes musiciens dans la rue qui me donnaient des CD de musique et me disaient, monsieur, on galère. Je dis, pourquoi les maisons disques ont toutes dit non? Ils disent, ah non, on n'a pas encore envoyé. Je ne comprenais pas qu'ils puissent dire qu'ils galéraient alors qu'ils n'avaient pas essayé. Donc voilà, donc, j'étais ça et je m'étais fabriqué un petit mantra qui était qui ne tente rien à rien. J'ai amélioré par la suite grâce à Oscar Wilde, puisqu'il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a... Voilà. Et j'ai une autre image aussi très forte. Donc, toujours sur les photos, là, je suis parti à New York. En fait, je suis parti dans New Jersey, un programme scolaire. Et puis, j'étais à une heure de New York. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir les agences de mannequins. Pour voir si mes photos intéressent les agences de mannequins. Moi, j'avais pris que les filles de ma classe derrière la poste de la Grande Motte, hein, au bord de la mer, donc à Montpellier. Et,
Et puis, il y avait une fille du collège où j'étais, de la fac où j'étais, qui voulait être mannequin. Et elle me dit, bah, là, on y va, on démarche ensemble. Et donc, il y avait les grandes agences très connues, Elite, Ford et tout. Je me disais, je ne vais pas démarrer par ça, je vais démarrer par les moins bons. Donc, en fait, j'avais une liste d'une centaine d'agences à New York, etc. Et en fait, on s'est fait jeter. Je me souviens d'un qui m'a demandé un composite, donc ça veut dire une sorte de copie de mes photos. Ça coûtait cher à l'époque. Et tout avec un sourire, en me regardant, il le jette dans la poubelle, comme dans un film américain. Et là aussi, c'est pareil. C'est fascinant parce que c'est juste après cet acte-là, juste après cet espèce d'acte de malveillance, que je suis sorti dans la rue, je dis, bah, tu sais quoi, on va aller voir directement les premiers et on verra bien. Et j'étais voir l'agence Elite et l'agence Elite m'a engagé. Ah ouais. Là aussi, c'est une autre... morale de l'histoire, c'est-à-dire que finalement parfois ça sert à rien c'était des agences qui travaillaient pas beaucoup, qui étaient un peu dans l'aigreur, enfin si on réfléchit a posteriori, et là c'était une agence qui bossait beaucoup et qui avait besoin de jeunes photographes pour faire ce qu'ils appelaient les new faces, donc les nouvelles mannequins qui arrivaient, il fallait qu'elles fassent leur book. Voilà, ils m'ont beaucoup appelé, un jour je leur ai demandé pourquoi et ils m'ont dit, j'avais 20 ans, ils m'ont dit parce que j'arrivais à rassurer les mannequins. Les mannequins, elles avaient 18-20 ans comme moi, elles arrivaient du Texas, moi j'arrivais de la grande mode, donc il y avait un truc qui m'échappait. Mais du coup, voilà, ça aussi, ça m'a donné l'idée que tout est possible. Ça, c'était un truc très, très fort. Et ensuite, quand je suis rentré, je ne voulais pas travailler dans la mode. En fait, je voulais être journaliste. Et donc, j'ai fait des concours d'école de journaliste. Et là aussi, à nouveau, je raconte l'histoire. Je fais une première école à Strasbourg. Je passe le concours, je passe les écrits, je suis à l'oral. Et là, on me dit... vous avez fait quoi ces deux dernières années? Et je dis que j'étais allé apprendre l'anglais aux États-Unis et que j'ai fait des photos. Et en fait, ils me disent, bon, en fait, vous ne voulez pas vraiment être journaliste. En fait, ils se mettent à remettre en question mon désir d'être journaliste parce que j'ai fait autre chose. Mmh. Intéressant parce que dans l'école de journalisme d'après, je vais utiliser ça à contrario. C'est-à-dire que je vais devancer les objections. Ça, je ne savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mmh. Et j'arrive avec mon book et je leur dis, pendant l'oral, donc, je leur dis, alors voilà, l'année dernière, je faisais ça, donc ils sont impressionnés par mon book, les photos sont assez jolies, je dis, vous voyez, je pourrais très très bien gagner ma vie, alors que journaliste, ça ne gagne pas sa vie, mais moi, c'est journaliste que je veux faire. Et quand je suis sorti, j'ai écouté à la porte, et j'ai entendu, ils ont dit, ah, il sait ce qu'il veut faire. Oh. Avec la même expérience, mais juste, j'avais été déstabilisé la première fois, alors que là, j'avais anticipé, et j'avais dit, bah, c'est la preuve, ce qui était vrai d'ailleurs, hein, je me rapproche toujours de la vérité. Ça aussi, c'est un autre truc que j'ai beaucoup exprimé auprès de mon fils. Il a 26 ans et tout ce que je vous raconte, bien sûr, il le connaît par cœur. Et j'ai souvent dit ça, je dis la sincérité, c'est une arme absolue. Donc, en fait, je me suis toujours connecté très, très, avant même connaître à pleine conscience et tout, à ce que je ressentais, ce que je pensais, à la sincérité. Ça a été mon arme dans plein, plein d'univers. Ensuite, je dirais que, là, pareil, un autre moment qui est un turning point, je suis donc, après l'école de journaliste, je suis très anxieux. Et quand on est journaliste, il faut faire des piges, en fait. On est payé à la prestation, on est freelance. Et moi, je ne pourrais pas payer de loyer à Paris à ce moment-là, je ne connais personne et tout. Et donc, je cherche un CDI. En journaliste, ça n'existe pas. Donc, le seul CDI que je trouve, c'est Autoroute Info. Donc, on est au début des radios d'autoroute, on est expérimental sur 40 km d'autoroute. Et puis j'avais fait un stage dans une télé locale de Lyon qui s'appelle Télé Lyon Métropole, TLM. Et j'avais dit au gars, si jamais il y a un poste, vous me faites signe, vous m'appelez. Et un jour, il y a un mec qui m'appelle, il me dit, hello Fred, il y a eu un casting, mais je suis désolé de t'appeler, il est terminé. Comment ça? Ben, ils ont choisi le mec. Là, pareil. Je dis, mais t'aurais fait quoi? Et là, c'est un peu le culot des désespérés. C'est-à-dire qu'en fait, donne-moi le numéro du mec qui a fait le casting, c'est le directeur de la télé locale. Alors, ce n'est pas une télé nationale, donc il est assez facile à avoir. Et le mec me répond, c'est fou, c'est qu'aujourd'hui, il est patron de Canal+, mais à l'époque, il est patron, il a mon âge, il a 23 ans, et il est patron de Télé Lyon Métropole, des programmes. Mmh. Et je dis bonjour, on ne se connaît pas, il paraît que vous avez fait le casting. Oui, monsieur, c'est terminé. Je dis, mais vous ne m'avez pas vu. Et là, pareil, c'est du bluff, ça ne veut rien dire. Je dis, mais vous ne m'avez pas vu. Mmh. Et je dis, ben... si ça se trouve, vous allez vous mordre des doigts toute votre vie. Ce qui absolument ne veut rien dire. Je ne le crois même pas. Je ne le pense même pas à ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais c'est une formule comme ça. Et c'est lui-même tout de suite dans le cerveau. Il se dit, bah oui, on ne sait jamais. Et je fais le casting et ils me prennent. Bon, le gars qui a été pris a été mis à une autre case. Donc, je n'ai pas pris sa place. Il a été pris aussi. Ouais. Mais du coup, c'était voilà. Donc, je revois ces petits trucs comme ça de jeunesse parce que tout ça, ça m'a mis dans la tête que finalement, qui ne tente rien n'a rien. C'est vraiment si on voilà, c'était vraiment ça qui m'a habité tout le long. Ouais. Donc après la télé de Lyon, j'ai envoyé. Alors j'étais prêt à la télé de Lyon, pris pendant 3 ans à la télé de Lyon,
Et après 3 ans, j'envoyais des CV dans les télés nationales. Et là, je recevais que des lettres types qui me disaient non, même une lettre écrite qui n'était pas une lettre type pour me dire mais comment vous pensez pouvoir. C'était une directrice des divertissements de France 3 à l'époque. Comment pouvez-vous penser faire de la télévision avec la coupe de cheveux que vous avez? Moi, je me rappelle que j'étais en train de dire ça. Je dis, mais je peux changer de coupe de cheveux? Je ne comprenais pas. Et d'ailleurs, je me dis, mais comment on peut être à ce poste et prendre le temps d'écrire à de dicter à une secrétaire ce genre de lettre? À l'époque, il n'y avait pas de mail. Et donc voilà. Et après, j'ai une proposition à LCI. Et là, pareil. On m'appelle, on me dit, ben voilà, on vous propose un poste de présentateur, parce que je fais de la présentation à la télé de Lyon, de présentateur au service des sports. Et moi, je suis obligé de renoncer, parce que je ne connais absolument rien en sport. Je m'intéresse à beaucoup de choses, mais j'aime bien faire du sport, mais regarder le sport, ce n'est pas mon truc. Et en fait, 24 heures après, là aussi, c'est pareil, j'aurais pu dire, bon, ben c'est pareil, je ne sais pas. 24 heures après, je le rappelle, je dis, vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre? Et ils me disent, ah, il y a un poste de reporter. Et donc, je démarrais comme reporter. Et donc, du coup, ça, c'était LCI. Ensuite, on m'a remarqué sur LCI, donc j'étais pris à France 2. J'ai fait des émissions de cinéma pendant 3 ans que j'ai présenté, pendant 5 ans, pardon, que j'ai présenté, que j'ai mis, et dont j'ai fait la rédaction en chef. Et puis, j'étais viré en plein succès. Alors là, c'est parce que tout ça s'était passé finalement assez vite. Et J'étais arrivé dans des sphères que je ne connaissais pas du tout. Et surtout, c'est même pas le showbiz, on va dire que c'est le service public. C'est très particulier à expliquer. Boris Cyrulnik, que j'aime beaucoup, à qui on avait demandé un jour, est-ce que vous pouvez nous parler de la violence chez l'être humain? Et tout le monde croyait qu'il allait parler de la Shoah, parce qu'il a connu les camps. Et ouais. Il a dit, il y a une violence dont on ne parle jamais, c'est la violence de l'administration. Et France Télévisions, c'est une administration. Entre nous, on dit que c'est Hollywood géré par la Sécu. Donc, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de luttes de pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils ne connaissent pas la télé, mais ils ont été nommés parce que le président de la chaîne, déjà, est nommé par les politiques. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui connaît la télévision. Quand il arrive, il finit par connaître au bout d'un moment. Et donc, voilà, moi, dans mes interlocuteurs, j'ai eu des gens incroyables, des gens formidables, souvent des femmes qui ont vu en moi des choses que je ne voyais pas. Mais parfois, c'était du grand n'importe quoi. Et donc, en même temps, la première fois, je suis viré en plein succès, en 2003, de l'émission de cinéma. Je la prends dans des circonstances incroyables. Et là, je pense que ça fait écho en moi, c'est-à-dire que le fait d'être viré, c'est de la maltraitance, surtout injustement, parce que c'était un conseiller du président de France Télévisions qui voulait mettre un pote à lui, enfin, c'est des trucs horribles. Et en fait, ça fait écho peut-être à ce que j'avais vécu quand j'étais gosse. J'avais une enfance pas rigolote et tout, et je crois que j'avais pas fait de thérapie à l'époque, je crois qu'à ce moment-là c'est comme si ça rentrait dans l'ordre, c'est comme si c'était normal que ça se passe pas bien. Et puis c'est là que je démarre une thérapie, et le thérapeute me dit pendant que je suis au chômage, bon, mais moi je vais arrêter la télé là, vraiment. Et c'est là qu'il me dit, mais c'est quoi les moments les plus heureux de votre vie? Et je dis, je sais pas, quand j'étais sac à dos en couple ou avec des amis au bout du monde, quoi. Je pense à des voyages aux Philippines ou au Guatemala. Il dit, faites une émission de voyage. Si j'avais dit j'adore les brocantes, il m'aurait dit faites une émission de brocantes. Et j'avais écrit, quand j'étais à Télé Lyon Métropole, quelque chose qui ressemblait à Terre Inconnue. Mais évidemment, aucune star m'aurait suivi à l'époque où j'étais à Télé Lyon Métropole. Mmh. Et donc, finalement, là, j'ai présenté ça à un producteur, on l'a présenté à une chaîne. Ça a mis 4 ans, en gros, à arriver à l'antenne. Donc, j'ai vécu pas mal d'années de chômage comme ça. Et voilà, et Terre Inconnue est arrivé à l'antenne sur France 5, puis encore une année de chômage. Là, pareil, un producteur, le patron des programmes qui me fait des compliments lors de la dernière conférence de presse et qui, dès le lendemain, ne me prend plus au téléphone. Enfin, c'est des trucs qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, voilà, j'ai encore un an de chômage. Et puis, ça revient sur France 2 parce que là, je rencontre des producteurs. Ils ont une boîte qui s'appelle Bonne Pioche. Ils ont produit La Marche de l'Empereur, qui n'était pas sortie à l'époque, à ce moment-là. Ouais. J'avais vu le film, j'avais trouvé ça incroyablement délicat parce que j'avais une forme d'exigence aussi, donc c'était un peu difficile. Et voilà, et eux ont vu Terre Inconnue, ils l'ont imaginé en prime time, et alors que moi je voyais en deuxième partie de soirée ou sur France 5. Et j'ai joué ma vie sur un one shot, comme on dit, parce que la chaîne en a commandé un. Et si ça marchait, ça continuait, si jamais ça marchait pas, j'arrêtais. Et l'émission c'était avec Muriel Robin, et elle a marqué les esprits, elle a changé ma vie en fait, tout simplement. Une longue réponse, mais tu m'as demandé de raconter de mon enfance. Mais très bien, super. Il y a beaucoup de choses dans cette réponse, merci beaucoup. Moi, il y a un mot sur lequel je suis restée un peu accrochée, c'est le mot sincérité.
Tu as dit que tu avais une vraie sincérité voilà, vis-à-vis de toi-même, j'imagine, du coup, vis-à-vis peut-être des autres aussi. Et je voulais savoir si cette sincérité, justement, tu l'as amenée aussi dans Rendez-vous en Terre Inconnue, je pense. Tu l'as amenée dans tes, tu l'amènes peut-être dans tes interviews aussi. Qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte, cette sincérité? Et puis après, oui, quelles sont les rencontres qui t'ont marqué dans Rendez-vous en Terre Inconnue? Alors, sur la sincérité, d'abord, je ne sais pas d'où elle vient. Je crois que j'ai un père qui est... qui n'était pas très à l'aise avec les humains, qui était plus dans la nature, etc., qui travaillait... voilà, c'est ça peut-être. Mon père, par exemple, avec qui je ne m'entendais pas, mais que je me suis mis à admirer après coup, dans un casino quand j'étais jeune. Et un jour, tous mes collègues, tous les copains de classe, j'étais en CM2, apparemment, travaillaient au casino de Forges-les-Eaux, parce que j'étais en Normandie à ce moment-là. Et un jour, on a appris que la plupart des gens, des croupiers avaient triché. Donc, il y en a qui étaient en prison et tout. Les deux seuls qui n'avaient pas triché, c'était mon père et mon oncle. Et j'avais été très très admiratif de ça. Donc il y avait une sorte de droiture qui était, par exemple, bien avant qu'on parle d'écologie, quand on allait se promener dans la forêt, mon père il nous faisait ramasser toutes les ordures qu'on voyait. Il y en avait plus dans les années 70 qu'aujourd'hui encore. Et donc il y avait un truc de, je ne sais pas comment dire, l'honnêteté au-dessus de tout, on va dire. Donc je pense que je pense après coup que ça c'est venu de là. Et j'ai découvert après coup que c'était une arme incroyable. D'abord, dans les rendez-vous que je pouvais faire, il y a cette phrase, c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'il l'a fait. Ouais. Ben, je l'ai vécu, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, par exemple, je me disais, ah non, je n'irai pas. Mais à l'époque, ben, je rentrais dans les bureaux, je pense que j'étais un peu plus excité que les autres, qui étaient un peu blasés, un peu comme ça. Donc, ils voyaient que j'étais habité, en fait. Et je pense que c'est ce qui a fait que des patrons m'ont fait confiance. Et je sais que c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Et moi-même, quand maintenant il m'arrive de faire des castings d'animateurs, etc., c'est ce que je cherche en fait. Des gens qui sont habités par leur sujet, tout simplement. Donc je crois que ça a été ça qui est incroyable. Et puis dans le milieu dans lequel je suis, où il y a beaucoup de coups bas, ben moi du coup, alors c'était à double tranchant. D'un côté, ben, on savait que je n'avais jamais pu dire un truc par derrière, parce que je le disais en face. Mais de l'autre côté, je le disais en face, ce qui ne se fait pas dans ce métier. Et c'est aussi pour ça que j'étais viré trois fois en plein succès. Parce que j'étais déconcerté par... les manigances, en fait. Et puis, alors, dans un milieu où quelqu'un vous fait une crasse, mais il ne faut pas les faire remarquer, parce qu'à ce moment-là, cette personne vous fuit. Donc, c'est complexe, parce qu'il faut voir la crasse, et en plus, il faut faire comme si de rien n'était, alors qu'on va dire, mais mec, comment tu fais pour me parler ? Ouais. Donc, ouais, ça demande beaucoup de maturité, ce que je n'avais pas, une forme d'acceptation, ce qu'il m'a fallu des années à avoir, et puis une forme de dérision, peut-être, et se dire, partir du principe que c'est le chaos et que dedans, on va se slalomer. Alors que moi, je croyais que c'était un monde juste, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, il y avait une forme de naïveté chez moi qui m'a à la fois fait prendre des coups et à la fois qui m'a beaucoup servi. Donc, tout ça est ambigu. La première question sur la sincérité, la deuxième c'est qu'est-ce que Rendez-vous en Terre Inconnue m'a apporté. Alors ce que ça m'a apporté, c'est une vision de l'humanité différente de ce qu'on nous raconte sur les chaînes info, puisqu'en fait j'ai travaillé 3 ans dans une chaîne info à LCI. Donc je sais comment on fabrique l'actualité et je sais aussi quelle représentation du monde on nous donne. Et donc, il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre la réalité, enfin, on va dire les faits, parce que la réalité, il y en a une par personne, mais il n'y a pas de rapport entre les faits et la vision du monde qu'on a aujourd'hui quand on est connecté à des écrans. Parce qu'évidemment, ça s'est empiré avec les réseaux sociaux, etc., où les fake news sont 6 fois plus diffusées que la vérité. Donc, du coup, moi, le fait de, souvent, quand les gens disent le monde se porte mal, je dis, mais vous êtes allé voir par vous-même ou on vous l'a dit? Parce qu'effectivement, si on se contente de répéter ce qu'il y a sur une chaîne info, ça ne marche pas. Et donc, j'ai été voir par moi-même, et je crois que là aussi, de manière inconsciente, j'ai été me rassurer en allant voir des gens ici ou là sur Terre qui n'étaient pas forcément dans la modernité, dans le monde de l'argent, dans le matérialisme, puisque c'est des populations autochtones. Et je voulais me rassurer et voir qu'il y avait une universalité entre nous, qu'il y avait de chaque côté, et puis qu'il y avait... de la bienveillance, en fait, c'est ça que j'ai été chercher inconsciemment, je crois. Et ça m'a, et j'ai été heureux aussi de l'apporter à des millions de gens qui regardaient le programme, et ça me rendait optimiste aussi, parce que c'est une époque où il y avait beaucoup, on disait que la télé devenait un peu trash, quoi. Il y avait beaucoup de télé-réalité, etc., donc c'était pas gagné d'avance que les programmes comme ça, comme des documentaires fonctionnent, donc ça m'a rassuré.
Et puis aussi, ça m'a montré de nous, de l'être humain, parce que j'ai eu la chance de voir des gens au-delà du cercle polaire, dans l'Himalaya, dans la cordillère des Andes, dans le désert, dans la jungle. Et donc, je vois l'être humain, le sapiens, la capacité d'adaptation, en fait, du sapiens, qui est incroyable. Ouais. Et puis, je vois aussi la capacité de coopération. Parce qu'en fait, tous les gens que j'ai été voir sont en milieu hostile, et en milieu hostile, le sapiens, il est solidaire. Ouais. Ce n'est pas le cas dans des environnements où il y a une forme d'abondance, mais c'est comme ça pour les animaux. Souvent, on déplore le manque de solidarité dans notre monde, mais les chercheurs ont découvert qu'en fait, un bouquetin en altitude, là où la nourriture est rare, ils sont beaucoup plus solidaires entre eux, beaucoup plus dans la coopération que là où il y a de l'abondance. Donc moi, j'ai vécu ça, j'ai vu la coopération entre les humains, c'est un truc qui me bouleverse d'ailleurs, partout, aujourd'hui, ici dans notre monde, parce que ça existe évidemment, mais ce n'est pas ce dont on parle dans les médias et sur les écrans, mais c'est quelque chose de très présent. Donc voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a donné du coup une forme d'optimisme, c'est-à-dire qu'en fait moi je vois l'être humain de quoi il est capable. Je pense qu'on peut remporter beaucoup de défis. Après, il y a beaucoup d'obstacles, on est d'accord, donc c'est pas de la naïveté, mais c'est une forme d'optimisme. Voilà ce que ça m'a apporté. Ouais, merci pour ce partage. Et c'est vrai que si on revient sur aussi la dimension entrepreneuriale, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment besoin aussi, on ne réussit pas seul en fait, on n'entreprend pas seul, on réussit et on grandit. Et c'est un chemin aussi hein, d'apprendre à connecter aux autres, d'apprendre à créer des partenaires, d'apprendre à trouver des clients, d'apprendre à créer sa communauté. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur comment toi, tu as réussi justement dans ta vie? Parce que finalement, au fur et à mesure de tes propositions, de tes voyages, de tes créations aussi, tu as réussi aussi à embarquer avec toi à la fois un public, à la fois des partenaires, malgré tout ce que tu me dis, que ce n'était pas toujours facile, il y a eu aussi de l'adversité, mais finalement, tu as réussi aussi à créer ça. Alors, on a parlé de la sincérité tout à l'heure, c'est peut-être un élément, mais est-ce qu'il y a autre chose selon toi qui t'a permis de grandir et puis d'être entouré en fait par les bonnes personnes? Ouais, c'est une blague en fait que j'aime beaucoup dire aux gens que je rencontre pour travailler avec eux. Je leur dis, est-ce que tu sais quel est le point commun entre Madonna et moi? En fait, on est entouré de gens meilleurs que nous. Parce que j'avais entendu dire ça un jour. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le cas. C'est-à-dire que moi, je sais filmer, j'étais JRI, journaliste reporter d'image, mais je ne sais pas filmer comme les gars qui réalisent Rendez-vous en Terre Inconnue. Je suis un très bon journaliste, mais les journalistes qui travaillent sur Terre Inconnue, par exemple, pour cette émission, sont extrêmement pointus. Je ne pense pas l'être autant, par exemple, à l'écrit. J'ai pris des monteurs, ce que j'appelais des script doctors, qui d'un seul coup, alors que nous, on avait vécu une aventure, ben, en fait, au montage, ils me disaient, tu vois, la tempête de neige que vous avez vécue le quatrième jour, ce serait bien si on la mettait le premier jour, parce que du coup, on est plus conscient du danger quand vous allez faire pipi au-delà du cercle polaire, dans la neige, et tout est blanc, etc. Et donc, j'ai été entouré de gens incroyables, en fait. Et ça, c'est un compliment qu'on m'a fait il n'y a pas longtemps, parce que j'espère me lancer dans la fiction. Et une patronne de la fiction de TF1 m'a dit, donc, vous savez vous entourer. Parce que j'ai choisi une scénariste qui est incroyable. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasme, de m'entourer de gens meilleurs que moi, parce que ça ne nous dévalorise pas. Hein, comment dire ? On n'est pas en concurrence, en fait. À partir de l'idée, on a une vision. Des fois, eux apportent leur... Enfin, ils font le meilleur de ce qu'ils peuvent faire, mais il faut une vision. Ouais. Alors après, la chance que j'ai eue, c'est de faire des choses qui avaient du sens. Donc, c'est vrai que ça, j'ai jamais eu besoin de faire du management, par exemple. J'ai acheté des magazines de management, je ne lisais jamais plus d'une demi-page. Et je pense que c'est plus facile de motiver les troupes quand on part en terre inconnue que quand on vend de l'alcool, par exemple, dans une boîte qui vendrait de l'alcool. Donc, je crois que la question du sens, en fait, elle est mobilisatrice. Ouais. Donc, en fait, voilà. Et puis aussi, mettre en valeur ses collaborateurs. Moi, je sais que j'ai adoré, c'est un running gag, c'est un gimmick entre nous. Et à chaque fois qu'on fait un succès ou quelque chose, j'aime bien faire des discours. Alors, le gag de l'histoire, c'est que j'ai fait parler après aussi. Mais donc, quand je fais des discours, c'est un peu long parce que je dis une anecdote ou un petit mot par personne. Et il n'y a jamais personne de pas important. Je veux dire, par exemple, il y a la monteuse son. Bah, quand vous nous regardez au coin du feu, il faut savoir qu'il n'y a pas de micro dans le feu. Donc, si vous entendez des crépitements, c'est qu'elle a rajouté des crépitements. Et donc, tout ça donne des... Et moi, j'ai une fascination pour ça. Et je dis souvent... Je souhaite à tout le monde de connaître l'amour, je souhaite à tout le monde de connaître l'amitié, mais il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est ce truc de faire ensemble. Et c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup, qui me met en joie,
Et puis tout ça est communicatif, en fait. Et voilà. Et autre chose aussi, ouais, c'est important que, voilà, que les gens se connaissent. C'est pourquoi c'est important. C'est pareil, je me suis rendu compte après coup, c'est qu'en fait, de mettre en valeur chacun, d'abord comment on se sent valorisé, mais il sait aussi comment il est légitime aux yeux des autres aussi. Il n'y a pas besoin de faire sa place, en fait, de trouver... je ne sais pas. Et puis, pas oublier de faire la fête aussi. C'est-à-dire que c'est important aussi d'avoir... Mais c'est pareil, ça s'est fait après coup. On faisait la fête qu'on ait un succès ou un échec, d'ailleurs, après l'émission. Mais c'est important aussi d'avoir des moments pour décompresser, parce qu'on est en flux tendu, on est très, très concentré quand même quand on fait les choses. Ouais, super, merci pour ces insights sur le, ouais, comment tu crées une équipe, comment tu crées un collectif, comment tu valorises les uns et les autres. Tu parlais aussi de vision et de sens dans ce que tu viens de nous dire. Sur la vision, justement, comment est-ce que tu as eu tes idées d'émission? Alors, on a vu que c'était quand tu étais en thérapie que tu as eu l'idée de partir en voyage. Mais comment est-ce que tu crées une vision? Parce que les entrepreneurs, c'est pareil, en fait. On peut vendre un produit, mais on peut surtout aussi vendre une idée, vendre quelque chose qu'on a envie de créer et donner du sens à ça. Comment est-ce que tu trouves tes idées et comment tu engages autour de tes idées et, par exemple, pour ta nouvelle émission ou pour en éventuel inconnu? Alors, c'est que des cas particuliers, parce qu'évidemment, on ne peut pas créer sur commande. Donc, c'est que des concours de circonstances. L'émission au bout du monde, c'est parce qu'à l'époque, je rêvais de enfin, je voyageais, moi, sac à dos, quoi, et donc, bah, je me suis dit, voilà, on pourrait faire une émission. On part sac à dos. Au début, c'était un peu plus Guide du Routard que Terre Inconnue. D'ailleurs, quand je l'ai imaginé à 23 ans. C'est ça aussi, c'est que avoir peur d'émettre quelque chose, qu'après, ça finit par s'affiner. C'est souvent ça qui bloque, c'est qu'on pense qu'on n'a pas la bonne idée tout de suite. Ensuite, j'ai inventé Panique dans l'oreillette. Là, c'est venu, en fait, d'une fois où j'étais en plateau, avec des collaborateurs. On faisait une émission sur les inventions à l'époque. On enregistrait, puis il y a eu une pause. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un en régie qui me parlait. Et donc, ça faisait très étrange pour la personne qui était en face de voir qu'en fait, j'étais à la fois avec elle et à la fois avec quelqu'un qui convient. Et donc, il y a eu aussi un film qui s'appelait Truman Show. Et à un moment donné, dans Truman Show, on découvre que le pauvre Jim Carrey est entouré de gens comme ça qui sont des acteurs. Et même son meilleur ami, en fait, a une oreillette. Et on voit le producteur qui lui dit « Mais tu sais que je suis ton meilleur ami. » Et donc, c'est hyper horrible parce qu'en fait, son meilleur ami, il est hyper pas sincère, etc. Et donc, c'est là, je crois que j'ai eu le flash de l'émission Panique dans l'oreillette. Après, il faut créer ce qu'on appelle une mécanique. Parce que faire une idée, c'est une chose, mais après, il faut qu'il y ait une mécanique, il faut que ça tienne, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Plus on a de l'expérience, plus c'est facile. L'émission que je fais aujourd'hui, qui s'appelle Un dimanche à la campagne, en fait, c'est la petite sœur d'une émission qui s'appelait La parenthèse inattendue. Et là, en fait, c'est parce que la chaîne voulait absolument que je fasse un programme qu'ils avaient acheté au Québec, auquel je ne croyais pas beaucoup, et il fallait que je vienne avec une contre-proposition. Et donc là, j'ai fait une sorte de méditation où je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire si jamais j'avais qu'une émission à faire dans ma vie? Où est-ce que j'aimerais être et tout? Et je me suis revu avec les invités de Terre Inconnue qui m'invitaient chez eux après les voyages pour montrer leur région, parce que moi, je leur avais fait découvrir une région. Et il m'a raconté toujours des choses en train de faire la cuisine qu'il ne racontait pas en plateau. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais bien sûr, il faudrait faire une émission dans une maison de campagne. Donc, en fait, je ne sais pas quel conseil donner pour créer, mais je dirais deux choses. C'est un, partir de... Je ne suis pas quelqu'un qui va voir ce qui est... Alors voilà, il y a des gens, par contre, à l'inverse, ils disent, tiens, qu'est-ce qui existe déjà? Je ne suis pas comme ça, je nage dans ma ligne d'eau. Donc, un, je suis connecté à mon ressenti, à mes besoins. J'essaie de me voir en train de le faire ou en train de le regarder. C'est quels sont les besoins. Et puis l'autre chose aussi, c'est sortir du cadre. C'est-à-dire ne pas se dire, ouais, mais ça ne marche pas, ça, c'est déjà... Il ne faut pas s'encombrer, en fait. D'abord parce qu'un brainstorming, par définition, même si on dit n'importe quoi, dans le tas, il y a peut-être un truc sympa, quoi. Donc voilà, souvent, c'est ça. Après, la créativité, je ne sais pas d'où ça vient. Je crois qu'on l'est tous, même un comptable a une part de créativité qui parfois ne l'exprime pas, mais c'est aussi pas avoir peur, en fait. Pas avoir peur de dire n'importe quoi. Parce que des fois, on part sur n'importe quoi, mais d'un coup, il y a un petit bout de quelque chose qui peut donner un truc sympa, quoi. Donc ouais, sur la créativité, en tout cas, pas avoir peur. S'enlever, essayer de se débarrasser des croyances. À chaque fois, je dis, allez, oubliez combien ça coûte, oubliez la case, oubliez les
bien qu'on te donne, oublié, c'est dur à faire, mais juste, on est où, on fait quoi? Voilà. Et donc, c'est plus ça. Et toi, je ferme les yeux instinctivement parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait. Ouais. On sort du cadre, on oublie les contraintes. Voilà. Ouais, et du coup, tu pars quand même vraiment aussi de ce que toi, tu as envie, en fait, de faire, de toi, ce qui te ferait plaisir. De... Regarder en fait, c'est Ouais, l'émission que j'ai pas encore vu. C'est l'émission que j'ai pas encore vu, mais par exemple, j'ai un voisin qui a créé Blablacar et j'ai lu son livre. Et lui raconte qu'au fond, le premier Blablacar d'abord s'appelle pas Blablacar, il a un nom un peu plus pourri. Ensuite, les gens, 30% des gens viennent pas au rendez-vous, donc il a fallu en catastrophe trouver. Et donc en fait, il raconte comment en fait ils passent leur temps à parfaire. Faut pas avoir l'impression qu'on aura l'idée du siècle d'un seul coup, en fait, ça n'existe pas. Ça peut être très rare. Donc, c'est plus ça que je dirais. Ouais, ok, génial. Du coup, après rendez-vous en terre inconnue, donc tu as décidé d'arrêter cette émission parce que c'était difficile pour toi de dire au revoir aux personnes que tu rencontrais. Ça, tu pourras revenir dessus si tu as envie de nous partager ça. Mais en tout cas, à la suite de ça, tu as découvert la méditation et plus particulièrement aussi la méditation, l'autocompassion. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, qu'est-ce que cette phase de ta vie a apporté de différent et en quoi elle a permis et qu'est-ce qu'elle a apporté en fait dans ta façon peut-être aujourd'hui d'aller dans une nouvelle émission, même si c'est une reprise d'une ancienne émission, mais dans une nouvelle émission, avec de quelle façon est-ce que tu abordes du coup cette nouvelle entreprise en partant aussi de ce passage sur la méditation et l'autocompassion? En fait, la chronologie, c'est que c'est en plein succès de Rendez-vous en terre inconnue. Donc là, c'était il y a 10 ans, on va dire 12 ans même. Voilà, l'émission, elle bat des records, elle fait 29% de part de marché, alors que la chaîne est à 12, jusqu'à 8 millions de téléspectateurs. Et en fait, ça n'apaise pas. Le succès n'apaise pas. Le succès est assez angoissant parce qu'on sait que c'est ultra méga précaire. On dit souvent le succès est l'exception. C'est pas la règle, le succès, quoi qu'on fasse. Et donc, du coup, il y a une peur de décevoir, en fait. Je crois qu'il y a ça. Donc, en fait, j'avais une anxiété qui s'était amplifiée. C'est là que j'ai découvert la méditation de pleine conscience, donc, où on apprend à être dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, souvent, il est dans le passé ou dans le futur, qui n'existe pas, et il n'est pas dans le présent. Et donc, je suis passé à côté de beaucoup de choses. J'aime beaucoup donner cette image de moi. Je me souviens dans une fête. On était content, on fait un succès. Et moi, dans ma tête, j'avais l'impression d'être le capitaine du Titanic qui voyait l'iceberg. Et j'étais avec une coupe de champagne, je souriais sur les photos, mais je me disais, mais on n'a pas d'invité le mois prochain. Bon. C'est qu'on a toujours eu un invité finalement. Et fou, c'est que finalement, il y a toujours eu un invité, même si on a eu peur jusqu'au dernier moment, parce que c'est très complexe de programmer l'émission comme celle-là. Mais donc à ce moment-là, ouais, j'appréciais pas tout ce que je savourais pas tout ce que je vivais, ça c'est sûr. Voilà, donc j'ai découvert la méditation de pleine conscience, celle dont parle beaucoup Christophe André, qui avait fait un bouquin incroyable, Méditer jour après jour, qui est très pédagogue. Et il y en a un très très drôle qui s'appelle Passage, pas sage. C'est une sorte de Bridget Jones de la méditation. C'est Marianne Lenhardt, une amie à moi que j'adore, et qui raconte en fait comment au début on croit que c'est génial, on a tout compris, ça marche, puis d'un côté évidemment qu'on se casse la figure. On connaît à peine le truc, on peut en parler à tout le monde. Enfin bon. Donc elle parodie pas mal le méditant débutant et ça décomplexe beaucoup. Donc ça. Ensuite, j'arrête l'émission donc des années plus tard parce qu'effectivement, je me rends compte que je ne fais pas d'émission pour la télévision. J'ai juste accepté qu'il y ait des morceaux de ma vie qui soient filmés. C'est-à-dire, en fait, une émission télé, ça se tourne à la Plaine Saint-Denis d'habitude. Voilà, vous êtes dans un hangar, il y a un décor d'un côté, un public de l'autre, des caméras, et puis d'un coup, on dit action. Et hop, c'est là où on vit. Bon. Là, on est avec des gens qui, évidemment, n'ont pas la télévision, qui, pour certains, savent ce que c'est parce qu'ils ont de la famille en ville, mais bon, c'est très abstrait. Et on partage des moments. Et on partage 100 heures filmées et on va vous montrer 2 heures. Et donc, les 100 heures, c'est 2 à 3 semaines. Et l'attachement est très, très, très puissant. Et quand on se dit au revoir, ce n'est pas des au revoir, c'est des adieux. Et donc, même mon invité, qui était mon dernier invité, qui est Thomas Pesquet, qui s'est présenté en disant « je ne suis pas du tout émotif », même lui a expliqué qu'en fait, ce n'était pas humain. Et donc, je me suis infligé un truc pas humain, en fait. Voilà, donc j'ai arrêté, ça m'a permis de prendre de la distance, je viens de profiter pour arrêter un peu la télé aussi, parce que c'est une compétition permanente, parce qu'il y a une sorte d'audimat dont on vous parle
tout le temps dans la chaîne. Ils n'ont parfois pas vu l'émission, mais ils connaissent juste l'audience. Donc, vous êtes un chiffre parfois. Et quand on sait qu'on travaille parfois un an sur une émission, c'est assez bizarre. Et vous êtes tellement focus sur ce que vous faites qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voyez plus. Donc là, j'ai eu besoin d'être moins exposé. Et c'est incroyable comme je me suis détendu. D'un coup, j'avais du temps pour moi. Il y a eu des époques de ma vie où j'étais à la radio, à la télé, etc. Si je me baladais une après-midi, j'avais l'impression d'être en liberté conditionnelle. C'était un truc incroyable. Mmh. Là, voilà, ça m'a permis de prendre du temps et de faire autre chose, donc de me former à l'autocompassion que j'avais découvert donc, auparavant. L'autocompassion, c'est l'idée de se parler comme on parle à son meilleur ami. Parce que finalement, j'avais beau être moins anxieux, je continue d'être très perfectionniste, en fait. Mmh. Donc, d'avoir une exigence qui était au-delà du réel, c'était jamais assez. Et donc, du coup, voilà, l'autocompassion, ça repose sur 4000 études scientifiques. Moi, j'ai besoin de ça. Je suis assez méfiant. J'ai fait beaucoup de reportages sur les sectes, donc je me méfie de tout ce qui est gourou, etc. Et donc, du coup, voilà, j'avais fait le stage 5 ans auparavant. J'ai refait le stage et je me suis formé pour enseigner l'autocompassion. Et c'était quelque chose de très chouette parce que, voilà, évidemment, il y en a qui bossent beaucoup parce qu'évidemment, entre chaque séance, il faut faire des exercices. Il y en a qui les font, d'autres qui ne les font pas, d'autres qui les font plus tard. Donc, chacun a son rythme. Mais c'est intéressant de voir que ça apaise et ça décomplexe pas mal de gens. Mmh. Et donc, voilà. Et enfin, je suis revenu à l'antenne le dimanche pour faire un dimanche à la campagne parce que la chaîne faisait une sorte de tapis rouge, en fait. D'habitude, c'est un combat, il faut convaincre. Là, c'est eux qui venaient. Mon équipe était très emballée. Je me suis un peu laissé influencer. Et voilà, et je suis très content de le faire parce que je sais que l'émission est très inspirante. Ce sont trois personnalités qui racontent leur itinéraire. Et surtout, on fait beaucoup de gros plans sur les échecs. En fait, c'est très important pour moi de parler des échecs. Parce qu'on a peur des échecs, c'est pour ça qu'on n'ose pas. Et en fait, tout le monde a connu des échecs. Et il y a souvent un tant mieux dans un tant pis. C'est-à-dire que souvent, quand il y a un truc qui ne marche pas, il y a un truc mieux après, un truc qu'on a appris, etc. Et voilà ce qu'il raconte. Et l'exemple que j'adore donner, c'est quand je faisais la parenthèse inattendue, donc qui était la grande sœur de Un dimanche à la campagne. Quand je faisais cette émission, il y a eu beaucoup de gens qui ont entrepris, qui ont osé le faire à l'époque, qui ont osé faire des choses. Et l'exemple que j'aime donner, c'est celui de Christian Delaché, qui a créé la première communauté d'entraide sur Facebook dans le monde. C'est 1 million de personnes, ça s'appelle Wanted Community. Mmh. Il était avocat fiscaliste, et quand il a voulu se lancer dans cette aventure associative, ben en fait, il a raconté partout qu'en fait, il regardait la parenthèse inattendue en boucle pour se donner du courage. Et c'est exactement pour ça que je l'avais faite. Donc, ouais. J'ai reçu une sorte de souffle, de sens, ouais. Et c'est pour ça que je me suis relancé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'entends dans le public, les invités. En fait, c'est chouette quand tout le monde est content, quoi. Ouais. Adorent le fabriquer, les invités sont super contents de l'affaire et ils adorent le résultat. Et le public aime bien, la presse aime bien, voilà. Et c'est pas tout le temps, encore une fois, c'est pas tout le temps que ça se passe comme ça, donc là je savoure. Génial, merci. Du coup, tu as eu l'occasion de rencontrer dans ta vie des personnes vraiment, vraiment différentes, et ça je trouve que c'est vraiment hyper inspirant, que ce soit quand tu as fait rendez-vous en terre inconnue, aujourd'hui ce sont des personnalités, en tout cas d'interviewer des personnes vraiment différentes. Qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, en autocompassion, on parle de l'humanité partagée. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous, tout simplement, sur ce qui fait peut-être à la fois nos différences et en même temps ce qui nous rassemble? On va aller bientôt aussi vers la fin de cette interview. Donc voilà, si tu as envie de partager un message là-dessus, je pense que ça peut être intéressant, inspirant. En fait, c'est vrai que j'ai eu la chance d'entrer à la fois des peuples autochtones. Donc, c'est une chance, parce que souvent, les ethnologues étudient pendant toute leur vie, ils étudient une population. Moi, j'ai eu la chance de voir plein de gens différents. Mmh. C'est vrai que ça donne une sorte de vision universelle de l'être humain. Les stars, c'est intéressant parce que ce sont des êtres humains ordinaires qui ont rêvé très fort et qui ont franchi beaucoup d'obstacles pour être dans la lumière. Alors, ce que j'écoute, c'est que je fais une émission en vérité sur la résilience. C'est-à-dire que 30% des gens dans la lumière ont des traumas assez lourds. Il y avait d'ailleurs un jour une présentatrice des Oscars qui avait fini à la fin comme ça, face caméra, en disant merci à tous pour votre fidélité. Si chez vous, vous vous sentez seul, parfois vous avez été rejeté, vous avez été maltraité, welcome in show business. Bienvenue dans show business.
Parce qu'effectivement, on est rarement dans la lumière par hasard. Et il y a un besoin de reconnaissance très fort, mais qui me touche parce que c'est des gens qui donnent du bonheur. Un humoriste, Victor Hugo, disait que c'était des distributeurs d'oubli. Les gens qui font de la musique, c'est incroyable parce que ce son va provoquer des émotions chez des millions de gens. Les comédiens racontent des histoires, mais c'est des histoires qui nous touchent parce qu'elles sont universelles. Donc moi, j'aime beaucoup les artistes, j'aime beaucoup leur vulnérabilité. Et ça, c'est donc, j'ai les héros de terre inconnue, les artistes. Et puis, j'ai interviewé beaucoup d'anonymes dans une émission qui s'appelait « Mille et une vies ». Et là, c'était des anonymes qui étaient des résilients. Donc eux, ils avaient franchi des obstacles. C'était indicible. Et je me suis fait des amis, du coup, parmi eux. Il y a un garçon qui s'appelle Louis, sur lequel je suis en train d'écrire un film, du coup, justement, qui a été amputé des deux bras à l'âge de 20 ans et aujourd'hui donne des conférences dans le monde entier sur la douleur. C'est un gars hyper optimiste, rigolard. Et quand vous lui parlez, au bout de 14 secondes, vous oubliez qu'il a un handicap. D'ailleurs, le mot handicap collé à Louis, c'est très bizarre. On n'arrive pas à le faire, en fait. Tous ces gens m'inspirent dans ma vie personnelle, tout simplement. Des fois, je suis dans une situation un peu complexe, où ça ne se passe pas comme je voudrais, ou je suis dans une période où, effectivement, on a l'impression que rien ne marche, j'ai tendance à me dire, c'est pas grave, ça ne se fait pas maintenant, ça sera plus tard. Ça ne se fait pas avec ces personnes, ça se fera avec quelqu'un d'autre. Il y a sans doute, la vie a plus d'imagination, ça c'est ma nouvelle phrase. Avant, c'était qui ne tente rien, de rien. Maintenant, ouais. Il y a plus d'imagination que nous. Bon, il y a plein de surprises dans l'existence et ça se passe souvent pas comme on... Des fois, on s'acharne sur un truc et ça se passe pas du tout comme ça se passe autrement. On veut le faire avec telle personne et finalement, ça se fait avec d'autres gens, à un autre moment. Et si ça se fait pas, bah, peut-être qu'il y a une raison. Ça, c'est nouveau pour moi parce qu'avant, je m'acharnais. Là, maintenant, donc, c'est beaucoup plus détendu. Donc, finalement, toutes ces années, toutes ces rencontres m'ont permis de faire les choses autrement maintenant. Donc, je savoure grâce à la pleine conscience. Parce qu'encore une fois, le succès, c'est l'exception. Mais je sais que j'ai eu plein d'échecs qui m'ont beaucoup appris. Et j'adore parler des échecs. Et il ne faut surtout pas avoir honte des échecs. Et je dis souvent aux gens, n'oubliez pas, parce que quand on a peur de l'échec, c'est qu'on a peur des gens qui vont ricaner. Mais les gens qui ricanent, ce n'est pas des gens qui font quelque chose. Parce que quand on fait quelque chose, on n'a pas le temps de ricaner. Donc finalement, ceux qui ricanent, c'est ceux qui ne font rien. Donc je dis, c'est bon. Ouais, super, super inspirant et peut-être sur ce mot de la résilience, parce que finalement, on a parlé avec toi des échecs, des succès, de rebondir, de repartir dans une autre direction. C'est aussi le chemin de l'entrepreneuriat, hein, d'oser se lancer et puis parfois avoir des échecs, parfois avoir des victoires. Et dans les deux cas, en fait, dans les deux cas, j'ai l'impression que c'est quand même un challenge de le gérer d'un point de vue émotionnel, au moins émotionnel. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous dire comment, nous donner des conseils ou nous partager quelque chose sur ce sujet de gérer l'échec, gérer le succès, traverser avec résilience en fait son chemin pour continuer à donner, à contribuer aussi, hein, parce que c'est aussi l'enjeu de ce sommet, hein, c'est que chacun puisse apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice avec qui il est de façon singulière, parce qu'on est, on est tous pareils, mais on est tous différents aussi. Écoute, moi, je crois, d'abord, il faut bien se connaître. Plus on se connaît, plus on a des rêves qui nous ressemblent. Parce qu'en fait, c'est important aussi, des fois, on a un rêve, c'est pour épater, je sais pas quoi, notre beau-père, ou qui nous a dit qu'on était nuls, ou c'est pas vraiment notre rêve. Donc, en fait, bien se connaître, savoir ce qu'on a traversé. Moi, je suis pour le développement personnel, les thérapies, toutes ces choses-là, parce que plus on se connaît et plus on a un rêve qui nous ressemble. Ensuite, le rêve, pour moi, c'est une direction. C'est-à-dire que sur le chemin de ce rêve, on va rencontrer plein de choses qui font qu'on va peut-être changer de... Et si quelqu'un dit « Ah, mais je croyais que tu voulais être star Hollywood. Ah, mais tu vois, je suis prof de théâtre à Créteil. » Et en fait, ça m'éclate. Parce que sur ce chemin-là, donc, il n'y a pas de honte à changer de direction. Et puis, l'autre chose, c'est de faire les choses avec pas à pas. C'est-à-dire se réjouir d'un petit pas. Parce qu'évidemment, quand on veut faire un truc grandiose, souvent, c'est trop grandiose. Donc, on fait de la procrastination parce que c'est trop. Ouais. Donc, c'est souvent par petites choses, en fait. Et se dire, ah, mais c'est réussi. Du coup, je me suis inscrit je me suis inscrit parce qu'il fallait s'inscrire à tel endroit, etc. C'est vraiment, comment dire, parce que finalement, chaque jour, on est plus près de son rêve. C'est comme si on découpait le rêve en tranches ou en escalier, des petits, et plus les marches sont petites, et plus elles sont faciles à faire. Et quoi qu'il arrive, où qu'on soit, on est plus proche de notre rêve qu'au départ.
Et enfin, l'échec, c'est Nelson Mandela. Hein, donc, je vais paraphraser Nelson Mandela. Il disait, moi, je ne connais pas l'échec. C'est où je réussis, où j'apprends. Donc voilà, je ne pouvais pas dire mieux que Nelson Mandela. C'est ma conclusion. Waouh, merci beaucoup, Frédéric. Je ne sais pas si tu veux dire une dernière chose pour finir, mais en tout cas, c'est super de finir sur Nelson Mandela. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous des tranches de ta vie, et puis des histoires, et puis des anecdotes pour nous inspirer. Donc je mettrai sous la vidéo, bien sûr, les liens pour pouvoir regarder ton émission actuelle et puis les informations pour te suivre sur les réseaux. Et puis, en tout cas, on peut te retrouver tous les dimanches sur France. Pas tout le temps parce qu'il y a du sport souvent, mais c'est souvent le dimanche, souvent à 16h55 sur France 2. Voilà. Donc, merci encore infiniment de ton temps et puis d'avoir partagé tout cela avec nous. Et merci à toi. J'espère que ça a inspiré et que ça t'a inspiré, toi. Ah oui, beaucoup. Surtout. À bientôt. À bientôt.